Yo les gars, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Bon, aujourd'hui, j'espère que le titre de la vidéo, ça sera qu'on est parti faire de la snow scoot avec Heretic, ça serait incroyable. J'espère que la miniature, ça sera ça, parce que pour l'instant, c'est encore assez indécis sur notre départ ou non. Bon, là, dans un premier temps, on va préparer des commandes Outcrew. Du coup, là, je vais repasser un petit t-shirt. Là, je vais repasser le petit t-shirt années 80. Donc là, on va repasser tout ça. Les petits bonnets, les petits stickers qui sont préparés. Et après, on descend en bas pour couper la barre et envoyer à la poste. Bien tout propre. Le petit bonnet, hop, let's go, on descend en bas. Bon, les gars, la barre en V, celle où il y aura juste un exemplaire, elle est partie. Du coup là je vais la couper maintenant. Et franchement elle est incroyable cette barre. Et félicitations à celui qui l'a acheté. Franchement elle est incroyable. D'ailleurs petite information, si vous voulez tous vos articles avant Noël, il faudra commander avant le 16, avant minuit. Ou le samedi, ça passe encore à 9h du matin. Parce que j'enverrai tout le samedi 17. Ne tardez pas si vous voulez vos articles avant Noël. Et puis bah, si vous commandez après Noël, bah, vous les aurez dans les 3-4 jours qui suivront. Vous inquiétez pas. Donc let's go, c'est parti, je vais couper les barres. Vous avez vu mes petites lunettes de protection hein? Je flex avec ça. Hein? Énervé hein. J'avais une autre commande aussi, une barre titane brute. D'ailleurs, il m'en reste plus que deux à l'heure où je vous parle. Du coup, là, je vais devoir chercher là-dedans dans tout ça. Bonne chance. On y va. D'habitude, je pose pas les colis. C'est clair, je passe les colis. D'habitude, tu repasses pas non plus et tu plies pas. Hein. Mais arrête. Tu peux péter un câble. On est la seule voiture qui est pas déneigée. C'est lourd, hein. Attends, faut que je. Faut que tu bloques avec ta tête. Faut que je bloque avec ma tête. Bon, allez, go, dépêche-toi. Allez, c'est parti. Hop. Frère, il y a. Regardez-moi. C'est trop beau. Et regarde lui. Un éboueur. Un éboueur numéro 2. C'est dingue. Lui avec son chat là. Il est mignon. Lui, il est mignon, mais toi. Frère, c'est trop. J'ai sur mon max. Mais non. C'est une heure. Bon, mais là, c'est bien, là, les mecs, regardez, il me dit, les gars, j'ai un pantalon pour toi, frère, regarde ce qu'il me donne, et regarde lui ce qu'il a. Hey, et puis j'allais acheter ça, moi. Pour une fois, t'as un pantalon, on dirait pas que c'est ta seconde peau, alors maintenant tu fermes ta bouche et ouais, tu au moins, c'est un pantalon large. Sans causer de problème. Parce que, y'en a marre de toi, y'en a marre. Attends, y'en a marre, quoi. Bon, les gars, on est actuellement sur la route, on arrive dans 30 minutes. Du coup, c'est Heretic qui fait un stand et du coup, on peut prendre les trottes. Ah putain! Ta gueule! Et du coup, on peut prendre les trottinettes gratuitement. Donc, c'est la première fois que nous, tous les quatre, on va tester la snow scoot. Donc, ça va être incroyable. J'ai des lunettes, mon gars, elles sont incroyables. Et let's go! Brrr, 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 brrr. C'est le bruit de la calache. C'est le bruit d'une tondeuse oreiller, c'est pas le bruit d'une calache. Vous avez pas la ref? Bien sûr. De Craig Guillotin. Ah ouais. Ok. Ça va être ça toute la journée. Bon les gars, on s'est garé comme des schlags, ça se trouve la voiture va être à la fourrière. On est bon.
En fait, on peut pas monter, on peut pas aller jusqu'au parking, faut qu'on prenne le bus. Du coup, ah, un petit chien, trop mignon. Ça va, Joe? Ouais, ça va. Un peu excédé déjà pour ce début de journée? Non, en fait, là, le seul truc, c'est que j'ai super froid aux mains et je peux pas mettre mes gants vu qu'ils sont scellés entre eux. Mais je sens qu'on va pas avoir de trotte. Hein. Vendu, hein. Sarah, elle a dit que c'était un chien en contre-jour. Puis-je voir? Regardez. Il parle de lui et de moi-même. Regardez-lui, hein? Quoi? Stéphane, moniteur de ski, parce que les bus ça marche plus, hein, connard. Là. Il y a pas de bus. Enfin, il y a un bus, mais il est tout le temps complet. Du coup, on est obligé d'y aller à pied. Et on a 3 km à faire pour aller jusqu'au parking. Faites du stop, les gars, on sait jamais. Donc là, on est parti. Vite, les gars. Allez. Let's go. Honnêtement, je sais que toi et moi, on sera les premiers à arriver. Déjà, on n'est pas des fumeurs. Ouais. Les poumons, mec, ils sont comme la neige, là. Ils sont blancs. Ils sont blancs. Oh. Bon, les gars, on est dans la file d'attente, là. Chaud, ça cogne. C'est gênant. De quoi? C'est gênant. Que tu me filmes comme ça? Ouais. Ouais. Totalement dans le télésiège. Non, mais arrête, gros. Gros, je vais faire tomber la cam. Et alors, c'est pas la nôtre. Arrête. Non, mais arrête, t'es con quoi. Hey, Joe, je vais te frapper. Hey, t'es là dans le télésiège. Les gars, je me suis pissé dessus, c'est tout chaud. On va sur le côté, les gars. Moi, je vais sur le oui, côté, mais vas-y, go. Oh, les gars, tout droit. Bon, les gars, on est arrivé carré. Je vais nous les choisir. Fais un whip. Bon, les gars, on a fait une première descente. Giovanni est tombé 2 fois. Lilian, 1 fois. 0. Kevin, 0 fois. Et moi, 0 fois non plus. Du coup, là, on est chaud, là. Et là, on va monter en haut de la piste. Mais ça va être dur de vlogger, en fait. Jovan! Yo, mec! Ça va, mon gars? Bon, du coup, là, on fait quoi, du coup? Qu'est-ce qu'on fait? C'est trop stylé. Mais oui! Yo, mon gars! On fait quoi? Tu sais, quand je suis monté... Regarde! Le mec, on dirait, il vient des 70s. Oh là là, mais quel beau gosse! Ah, comme toujours, hein. Bon, quel est le feeling là déjà pour une première descente? J'ai failli mourir. Il est tout le temps tout seul. En vrai, les gars, c'est une sensation de ouf, c'est trop stylé. 60 km/h en pleine descente et un non-contrôle au moment où tu poses le pied, bah ça t'arrête direct. Et tu fais ça. Ouais, voilà. On peut faire front flip easy ou pas? Non. Ok. Do good, do great, and they talk bad on me. No mean, no face, cause they're not factual. I won't stay too long here, I'm just passing through. Mec, c'était un truc de ouf. J'ai failli mourir. Gros, regarde. C'est rentré dedans. C'est hyper regarde dur. Regarde ça. Y a de la neige ici parce qu'à un moment, gros, j'ai fait sur les genoux. Genre j'ai fait une dinde sur les genoux, il y avait une bosse, ça a fait faceplant. J'étais sur les genoux et je tirais ma tête comme ça. Et genre regarde, ça a raclé la neige et tout, c'était une dinguerie. J'ai failli. Mais toi t'as... Mais moi j'ai... Au début j'irais très bien. Et après le moment où c'est rentré dedans gros, ça... j'ai perdu totalement confiance en moi gros. J'ai... En même temps je suis arrivé full speed, t'es là, tu commences à freiner et moi j'ai freiné en mode non. Oh là là. Je t'ai fait non Hugo. Non Hugo. En vrai c'est dur hein. Oh, mais c'est vrai que c'est dur, c'est que c'est incontrôlable. Ouais mais c'est et trop bien, sur moi, la... j'ai envie d'essayer les sauts, pas te mentir. Sur la glace, comment c'est chaud. Mais par ça sur la glace, c'est là où je me suis étalé frère. Ah bon, quand c'est la glace, quand tu fais les power slides, ça fait...
C'est qu'en fait ça va vite, ouais, ça te freine pas. Mais en fait moi le con, je faisais mon pure slide avec le ski en avant. Du coup j'arrivais pas à bien freiner. En fait il faut vraiment mettre son guidon ici dans la même direction. Non, c'est ce que je t'ai expliqué. Mais non, tu tues après. Non, moi c'est ce que je fais. Moi je fais, mec, c'est ce que je fais pour freiner le plus, évidemment, c'est ce qui marche le mieux. De quoi? Parce que si tu un peu en arrière, si tu gardes comme ça, en fait, cette position là, je suis en backside en fait. Ah non, mais là moi, je peux en backside. Moment ça il passe devant. Genre du coup je suis en mode genre okay, moi je laissais le guidon droit. C'est hyper non. Physique. Faut pas en vrai. Et la piste et là, franchement la piste était hyper longue. Mais j'avais l'impression qu'on allait jamais y arriver. C'est dommage qu'on soit trompé. Tu m'as vu? Bon, à un moment, là, ici, j'allais full speed. J'ai freiné, mon gars. Je suis parti. Ma trotte, elle était genre à 12 mètres de moi, frère. J'ai commencé à déballer là. Mais frérot, la tactique à lui, elle marche trop bien. Tu vas trop vite, tu jettes ta trotte, tu vas sur le cunique, ça ouais, marche. Ouais, ouais. À un moment, moi, je suis obligé, sinon, frère. Ça, ce sera nous, on sera rapatriés comme ça. Bon, les gars, ils caillent, hein. En plus, moi, je peux être rapatrié. C'est normal, on est à la neige. Ok, les gars, donc là, on est arrivé au snowpark. Donc là, il y a Kevin, il vient de tomber, mais genre littéralement, ça glisse énormément, genre de truc, on savait pas. Du coup, là, il y a Giovanni qui arrive avec Lilian. On va rien dire, on va leur dire de prendre ça. Ils vont se toller. Giovanni, Déma, prends ça. Il est bon. Voilà. En vrai, les gars, c'est vraiment compliqué. Hein. Je pensais pas que c'était aussi chaud. Je vais faire en heal. Vas-y, Lilian, c'est 3-6. Vas-y, Lilian, 3-6. Another day to the grave. I get it cause I got to. I got kids, I need the bank. When I wake, I be sleeping like a baby cause I know my paper straight. Another day to the grave. I get it cause I got to. I got kids, yo. I need the bank. I need it all. I've been getting paid. I've been eating good. I've been putting on Ça va pas être ouf hein, les tricks qu'on va mettre dans cette vidéo, je sens. Parce que c'est vraiment, vraiment dur. Moi, je pensais pas du tout que c'était aussi compliqué. Ouais, mais ça compte. Chiche, il a mis. Les gars, c'est la fin de la session. Et en vrai, on a kiffé de ouf. Bon, c'était un petit peu chaud. On a fait une grosse piste. Et après, on a fait deux petites pistes un peu nulles. Mais bon, on a bien pris en main la trotte. Et franchement, c'était vraiment une dinguerie. Et je pensais vraiment que c'était beaucoup plus facile. Et c'était assez chaud. Du coup, on a passé une bête de journée. Ouais, là on va trouver et tout. Imagine. Giovanni, sur 10, note la journée. Sur une échelle de 10. Non, mais vas-y, vraiment. 10. 10 sur 10. Ouais. Allez, je dirais 8. Parce que j'aurais bien aimé avoir des gants chauffants. Et tu vois, parce qu'on a eu une période, mon gars, où avec Hugo, c'était. Horrible. Ah oui. Ah les mains, c'était... C'est quoi ça? Et toi Kevin? En vrai de vrai, je lui donne un 9 sur 10. Moins un point, parce que... Il faisait trop froid quand... Manger mon sandwich au poulet, j'aurais dû avoir mal. Mais je sais pas pourquoi je l'avais pas. C'est bien. On fera ton petit débrief après. Hein? On fera ton petit débrief dans le bus. Ouais mec. Lilian, une petite note sur 10. Un 7. Un 7? Parce que les télésièges. C'était incroyable. Oh, voilà. Et moi, je donnerais une note. Je dirais 9. Je vais dire moins un point. Parce qu'on n'était pas avec quelqu'un qui connaissait hyper bien la station. Et je pense qu'on aurait pu vraiment pu faire beaucoup plus de choses.
si on avait été avec un mec qui connaissait. Mais franchement, c'était incroyable. Moi, j'ai kiffé. Et puis voilà, les gars, merci d'avoir regardé la vidéo. C'est vraiment, vraiment dur de filmer. Genre, il faut sortir la caméra de la sacoche et tout. C'est vraiment chaud. Donc, j'espère que le vlog, il va ressembler à quelque chose. Et puis voilà, hein, les gars. Donc, merci. N'hésitez pas à vous abonner et à mettre la cloche des notifications. Vous connaissez. Mettre le petit like pour le référencement. Et puis voilà, les gars. Merci à toutes.